Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer car l'information vous donne accès au monde. Revenu du Caire hier dimanche, Narcisse Moelcombi a directement filé à Olembe. Il pense que nous serons prêts le jour dit. Selon lui, nous constatons avec satisfaction la forte mobilisation des équipes, 24 heures sur 24, l'aménagement des espaces extérieurs en cours, notamment les espaces verts dont les plans ensemencés recouvrent progressivement toutes les surfaces en terre, la finalisation des escaliers de l'entrée volume IP et de ses parkings, la pose des écailles de pangolins, la mise en service des écrans géants, les tests de qualité du son et des lumières, etc. C'est avec plaisir que j'ai assisté à la préparation des outils qui serviront à la pose des dernières écailles de pangolin ce lundi 29 novembre. A écrit le patron des sports sur son compte Facebook. Pour rappel, la CAF va définitivement se prononcer ce mardi 30 novembre sur la délocalisation ou non de la poule A de la CAN 2021. Notons bien que les images prises hier dimanche dans la nuit à Olembe laissent des doutes. C'est tout pour la tranche d'information. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci.